suis malentendante depuis tout le temps, appareillée depuis l'âge de 25 ans de façon bilatérale. Cette surdité, elle n'était pas visible vraiment au départ, enfin quand j'étais enfant. Elle a évolué au fil des années. Pour l'instant, j'ai une perte d'environ 100 décibels, alors qu'elle était de 50 décibels à 25 ans. Je refuse des implants cochléaires pour plusieurs raisons. La première, c'est que je ne souhaite pas me faire du tout opérer de quoi que ce soit. Donc c'est déjà un frein. La deuxième, c'est que ça fait très peur et que je n'ai pas du tout envie. Enfin, ça peut ne pas marcher aussi. Une opération comme toute opération, il y a un risque. Si on pose un implant, on va dire qu'il n'y a plus du tout le son naturel. Enfin, le son devient complètement numérique. Tu expliques aux élèves pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'ils vont apprendre à faire. Oui, la métacognition. Ouais, l'objectif, un peu. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Bah, j'ai fait ça. Alors que l'enseignement efficace, c'est vraiment temps. Comment tu enseignes oui, de ouais. façon efficace. Comment améliorer les résultats des élèves. Oui, ouais. c'est ça. Ouais. Ouais, je pense que parti. C'est bien de ça. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Bon, ben, on va partir. Et du coup, la deuxième raison, c'est quoi aussi bah, il y a trois raisons, mais il faut en mettre deux. Donc, je pense que je vais mettre celle-ci. Elle est plus importante. Voilà, la corrélation entre l'origine sociale des élèves et les résultats. Ouais. Ils expliquent qu'en fait, les enfants favorisés, ils ont eu des meilleurs résultats. Mmh. Alors qu'avec un même enseignement, un enfant issu d'un milieu moins favorisé, ouais. il aura... Par rapport au mode de communication que j'utilise, c'est l'oral et l'écrit.
J'ai la chance aussi d'être née un peu au siècle dernier, mais quand même de pouvoir utiliser les mails, de pouvoir utiliser les SMS. Forcément des personnes pas correctes, enfin pas correctes, qui n'ont pas envie de faire la démarche de communiquer avec une personne malentendante. Après, c'est leur problème, c'est plus le mien, voilà. Ça peut être le mien si cette personne, je sais pas si c'était mon banquier que j'avais besoin d'après, forcément ça pourrait être problématique. Maintenant, j'essaie de trouver des alternatives aussi pour communiquer et pour que la communication soit la plus fluide possible avec tout le monde. Thank you.
Franchement, au niveau perché, je pense que tu as touché les étoiles.